Coucou les filles, nous sommes le dimanche 11 août et on se retrouve pour la présentation de ce que j'ai choisi pour mon partenariat avec Coco Rosa Studio. J'ai choisi des dice de découpe et un set de tampons avec dice de découpe. Donc, j'ai choisi celui-là. C'est une déco avec des feuilles. Ensuite, des palmiers. Le set de tampons avec le dice de découpe pour le verre, la bouteille et le bouchon. Et ces deux mannequins. Alors, ce que j'ai fait. Je vais vous présenter ce que j'ai fait. Avec ce dice de découpe déco-feuillage, j'ai fait cette carte-là. Donc, elle fait 10,5 sur 15. Le fond, j'ai mis de l'encre Distress Oxide rose clair. Ensuite, j'ai tamponné avec un tampon de fond baroque, avec la Versafine noire. Sur un deuxième papier de 10,5 sur 15, j'ai redécoupé avec ce dice de découpe. Et sur une autre feuille en noir fine de chez Action, du bloc de trois couleurs, j'ai redécoupé une autre fois avec ce dice de découpe et je l'ai collé là. Voilà, donc là aussi c'est de l'encre Distress Oxide de rose vif. Une fois le tout collé, j'ai pris mon encre Versafine noire et j'ai passé le pad d'encre sur tous les bords de ma carte. Voici pour le premier. Ensuite, pour les palmiers, j'ai fait un tag avec de l'encre Versafine noire pour les oiseaux, pour les mouettes. Pour le fond, c'est de la Distress Oxide jaune, orange et vintage photo. J'ai utilisé ce verre-là et la tranche d'orange citron, c'est sur un autre set de tampons de chez Action. Et les palmiers sont faits avec du papier noir fin de chez Action. Voilà, et j'ai bordé le tout avec mon pad d'encre noire et avec la Dimo, j'ai mis cocktail d'été. Les fleurs et les feuilles aussi, c'est un partenariat de chez Coco Rosa Studio. Je les ai faites avec des crayons Bic aquarellables ainsi que la boisson. Donc voici pour celui-là. Donc celui-là, j'ai utilisé les deux choses que j'ai choisies. Et pour le tampon, alors je vous le montre, il tamponne hyper bien. Voilà. Et pour le dernier, je l'ai perdu, le voilà. Ce sont les mannequins. Donc j'ai fait un tarot scrap. Donc le tarot scrap fait 8 sur 14. Les coins sont arrondis et il y a un petit cadre à 1 demi-centimètre de chaque côté. Alors j'ai utilisé ce die-là. Voilà, que j'ai fait sur du papier blanc épais de chez Action, le bloc 3 couleurs. Ensuite, j'ai fait des bandelettes dans des papiers journal, du papier livre, que j'ai bordé avec de la Distress Oxide de bleu clair. J'ai fait un petit nœud, et plus gros que ce que je pensais. Ensuite, j'ai utilisé un pochoir avec l'encre Distress Oxide bleu clair et les tamponnages de couture sont avec la Versafine noire et là c'est la Distress Ink bleu foncé. Voilà pour le dernier. Donc voici la présentation des produits que j'ai eu avec mon partenariat de Coco Rosa. Donc la découpe feuillage, les mannequins, les palmiers,
Ça, tout, ces trois-là, c'est des dice de découpe et le set de tampons avec des dice de découpe. Bon, j'ai voulu le faire, mais j'ai découpé le verre avec, mais il y a trop de blanc, donc j'ai redécoupé au ciseau. Donc voilà mon nouveau partenariat avec Coco Rosa Studio. Je vous mettrai le tout en barre d'infos. Avec le code promo qui est Nadia tout en majuscule, NADIA, le chiffre 25, qui vous donne droit à 25% de réduction sur l'ensemble de votre commande. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye!